Salut les amis, c'est Jodébion, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouvel épisode de Dreams Doll, et c'est un matin comme les autres, bien Doll City si je puis dire. Nous avons Yann qui vient de se lever, ils étaient tous assez fatigués, la fois passée nous avons envoyé Gabriel et... c'est bien Gabriel que je l'ai appelé, Gabriel et Queen chercher des ressources un peu partout, donc il avait ramené plein de pierres que j'ai pu revendre, Queen avait ramené plein de légumes qu'elle a placés. Pendant que Kazé les a plantés et nous avons un magnifique petit jardin où les plantes se portent bien avec des chrysanthèmes, des fraises, des oignons, il y a aussi des marguerites et de la sauge. Donc voilà, ça fait quelques petits trucs. Aujourd'hui je vais voir qui travaille. Oh mais il a l'art de tout me bousiller ce con. J'en ai rien à battre, tu me répares le bordel, tu m'abîmes tout, toi, tu me gonfles. Ça t'apprendra. Toi, hop, enlever la nourriture gâtée, bah oui, avec Yann qui cuisine pour 10 000, on a plein de bouffe. Hop, ouvrir, tu vas prendre un petit truc de ça. Ah oui, non, mais c'est pas toi que je veux faire. Donc, ouvrir. Tu vas me manger un petit bout. Ouvrir. Tu vas me manger un petit bout aussi. Toi, t'as... Bon, allez. Allez. Petit déj pour tout le monde, les amis. Petit déj. Peut-être êtes-vous même en train de prendre votre petit déj en regardant cet épisode, vu que généralement, bah, je les sors à 7h du mat. C'est très possible. J'ai déjà reçu des messages de Sushi qui me disait qu'il regardait mes vidéos avant d'aller à l'école. Bah, si ça peut vous mettre de bonne humeur. Oh, y a Sweetie. Doll de la saison 2. Oh, j'ai voulu la remonter. Elle est pas trop belle. Doll de la saison 2. Bon, petit déj, là, entre potes, là, c'est... Ça, c'est bien. Là, en mode, on raconte un peu nos vies, hein. Peinard, le matin. On espère vraiment trouver plus tard... Enfin, j'espère vraiment leur faire avoir plein de sous pour qu'ils puissent s'offrir une belle grande maison. Qu'est-ce qui se passe à la bourre? Oh oui, elle est en retard. Elle est très 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 en retard. Non, tu es trop en retard. Arrête de manger. Arrête de manger, je t'en conjure. Non, mais t'occupe pas de la vaisselle, va travailler. Oh, mais cette fille. Allez, travaille dur. Non, ce qu'on peut faire, c'est de se détendre peut-être. On va peut-être essayer qu'elle se détende un petit peu. Peut-être qu'elle pourrait peut-être même avoir donc sa promotion aujourd'hui sur la si on gère bien ça. Toi. Tu me regardais la chaîne de cuisine, voilà. Toi, tu te fais une avance. Est-ce qu'elle va mieux? Elle va mieux. Elle va mieux, c'est nickel. Maintenant, tu vas travailler dur. Voilà, tu vas travailler dur parce qu'il y a clairement moyen qu'elle chope sa promotion aujourd'hui, les amis. Là, elle est niveau 4. J'ai vraiment envie qu'elle soit niveau 5. Ensuite, notre queen, qu'est-ce que tu peux faire? Jeu d'un instrument, c'est terminé. À 14h, tu commences à bosser. Tu vas vite aller... Oui, bah on essaie vraiment, les gars. Ici, là, c'est comme chez les militaires. Allez, go, go, go. On fait tout, hein. On fait tout. On veut des sous. On a besoin de sous. On a besoin d'avancer dans nos carrières. Parce que juste, là, c'est juste pas possible qu'on stagne autant. Donc, voilà. Est-ce qu'elle s'en sort? Je l'espère. Non, elle ne s'en sort pas. Se détendre. On essaye qu'elle se détende. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça avance? Je check, voir un petit peu sa barre en dessous, en bas à droite, les sushis. On switch. Travailler dur. Allez. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a peut-être moyen. Allez, ma belle. Courage. Queen commence le boulot dans une heure. Elle, comment est-ce qu'elle se sent? Elle va regarder avec les autres. Elle va regarder la chaîne actuelle, elle va se prendre avec les deux mecs. Son mec qui est en slip, là, c'est tellement, tellement de swag. Allez, s'il vous plaît. Oui, oui, allez, allez, Kazé, courage, ma Kazé. Allez, des messages d'encouragement dans les commentaires pour Kazé. J'ai tellement envie qu'elle avance, tellement envie qu'elle ait une promotion. Va bosser, toi. L'autre qui vient sonner à la porte, là, pour il n'y a personne qui lui répond. Elle aussi, il y a moyen. Allez, hop.
travailler dur. Voilà. Vous les mecs. Bon bah écoute, mec, tu vas tout ce qu'il faut. Et il va aller bah, entretenir le jardin, tiens. Voilà, après il ira faire ça. Et toi, tu vas... bah, tu vas faire quoi? Ouais, il faut qu'il prépare des trucs. Il faut qu'il prépare encore à bouffer. Il va encore préparer à bouffer. Moi, je le sens, je vous le dis. Enlever la nourriture gâtée. Voilà, on fait le ménage. Yann commence dans une heure. Oh, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de... oh, merde. Oh, ça, c'est la merde. Oh, tant pis. On va prendre une douche méditative, voilà. Prendre une douche méditative. Ça peut peut-être l'aider. Il désherbe, c'est nickel. Ils vont tous faire un petit peu du jardinage, hein. Ça je vous le dis déjà. Parce que voilà, j'ai vraiment envie. Comment est-ce qu'elle s'en sort, elle? Oui, elle va avoir sa promotion. Et elle? Vas-y ma pupuce, allez ma queen, tu peux le faire. Mais oui, sors à poil, sors la nouille à l'air pour aller bosser. Tu vas mener plein de clientes à ton restaurant. Elles vont toutes voir manger de la saucisse. Ça va servir ce que je viens de dire, je suis désolée. C'est immonde. Je suis désolée, c'est sorti tout seul. C'est pas drôle. C'était pas drôle. Mais Sweetie qui revient à chaque fois, la pauvre. Et tout le monde l'ignore. Ah là 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 là. Mais on t'aime, Sweetie. On t'aime. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Les sushis, dites-lui dans les commentaires que vous l'aimez. Parce que là, la pauvre, elle va finir en dépression. Hein. Oh, regardez, elle est toute mignonne en plus. Oh, qu'elle est belle. Bon. À travers la barrière, toi. Ah, bah ça, c'est un... Oui. Attendez, hop, je mets la pause. Promue au poste de contributrice régulière. Kazé a été promue contributrice régulière. Elle gagnerait 6 pouces de plus. Elle a donc également reçu un menu de 703 Sims Flouze, déco, un livre ouvert encadré, et des nouveaux vêtements. Super les amis, je suis trop contente. Bon, qui dit promotion dit... ok, donc il va falloir qu'elle écrive des livres encore et qu'elle atteigne le niveau 5. C'est parfait, c'est pas grave. Tu bosses quand? Tu bosses ben, demain. Tu bosses demain, on va regarder la chaîne actuelle pour essayer de se détendre avant le boulot. Et puis après on écrira le bouquin. Et toi Gabriel, est-ce que tu as... bah écoute, bah c'est nickel, il nous a fait du bon boulot. Il va arroser les plantes, tiens. Trop d'assiettes. Donc oh, oh, on va laisser des assiettes sales parce que c'est pas une bonne idée. Donc il y a un gain de performance petit, c'est pas grave. Notre petit gars... Oui, ah, il va y avoir une promotion aussi. Oh c'est super, et c'est full promotion là les gars là. Ah là, je suis super contente. On avance enfin, on avance enfin. C'est super cool. Je suis trop, trop contente. Ok. Gabriel, mon chéri, c'est très bien. On va vraiment essayer de le mettre bien pour le lendemain, pour que lui aussi... Oui, parce qu'il pourrait trop avoir une promotion à les sushis, je sais pas ce que vous en pensez. Mais il pourrait vraiment trop en avoir une. Pourquoi est-ce qu'elle est tendue? A besoin de joie des jeux vidéo. Ok, bah oui, c'est vrai qu'elle a le trait geek. J'avais totalement zappé ça. Hop. Hop, jouer. Geek block. Ah, tu te sens mieux, hein? Oh là là, ce trait qu'ils ont fait. Ouvrir, est-ce qu'on a de la salade? En fait, j'ai remarqué que... Non, c'est pas grave, tant pis, moi j'ai plus l'impression. Gabriel, en fait, j'ai remarqué, donc vous avez vu, je les ai changés depuis le précédent let's play. Donc je les ai changés. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai remarqué que Gabriel avait pris un petit peu de poids. Donc on faudrait essayer de faire attention et d'aller peut-être à la salle de sport, pour venir un jour à la salle de sport avec, avec certains. Yes, elle a ramené des sous. Elle a ramené plein de sous-sous. Elle n'a pas eu la promotion, mais c'est déjà très bien. Ouvrir. Hop, prendre une portion. Et puis tu vas aller un petit peu te détendre en regardant la téloche. Regardez la chaîne d'humour. Toi, tu... C'est bon, là, tu te sens mieux. Et...
Elle va vite manger un bout, ouvrir, manger un bout. Oh, j'ai envie de pâte, c'est fait les amis, j'ai envie de pâte, les soucis. J'ai faim. Et en vrai, il est 11h02 en vrai. Hein. On mange tout cet épisode, il est 11h. C'est pas grave. Ah ben c'est cool, ça c'est gentil ça ce que tu fais ma queen. Elle bosse le lendemain. Ouais, tu vas aller jouer. Tu vas t'entraîner. Allez, à l'entraînement. Ça c'est fait. Toi ma belle, tu vas écrire un livre de genre nouvelle. Et on va appeler ce livre le sushi aventureux. Un livre de nouvelles qui raconte l'histoire des sushis. Ah tiens les gars, à votre avis, racontez-moi l'histoire dans les commentaires. Qu'est-ce que Kazé pourrait écrire comme histoire? Vas-y, et dites-moi dans les commentaires la plus originale, j'essaierai de les répertorier et je lirai les plus originales dans un prochain let's play. Pas forcément le prochain, mais dans un prochain. Voilà. Parce que ce cas, c'est que comme j'entends mes épisodes à l'avance, malheureusement, voilà. C'est comme ça. Toi, est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est bien? On va le faire éteindre, voilà, hop. Tu vas un petit peu toi aussi jouer à des jeux vidéo. Jouer My Sims Go. Voilà, on va vraiment essayer de le faire qu'il soit bien détendu. Il commence à bosser le lendemain à 10h. C'est nickel. On va vraiment bien grapper ça. Ah mais tu me l'as pété. Mais il pète. Mais les mecs de cette maison sont cons comme des balais. Oh purée, je vous jure, ces mecs, c'est pas possible. Ah lui il va avoir sa promotion, ça va être trop bien. Kazé a terminé d'écrire son livre. Ah non, elle a pas encore terminé sa truc. Ok. Écrire un livre de genre. Enfant. Hop, voilà. Toi, c'est bon. Toi, tu t'es chaud, t'es bien là. Allez, va dormir. Elle s'entraîne toujours. Elle a fini. Oula, faut pas que j'abuse non plus. Parce qu'il faut vraiment qu'ils soient en forme pour le lendemain aussi. Hein. C'est pas forcément évident de gérer tout ça. Oui, attendez. Donc, je mets la pause. Yann était promu, traiteur gagnera des hommes 10 influx de plus par heure, soit 26 influx au total. Il a également reçu en bonus 360. Et la machine à café automatique en acier inoxydable. Ok, c'est super. Est-ce qu'on avait déjà une machine à café? On en avait déjà reçu une, je pense. On en avait déjà reçu une. Parce que je crois que les filles avant, qu'une des filles était en cuisine avant. Je regarde un peu ce qu'on a dans les... Dans l'inventaire de famille, tiens. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a plein de choses. On a plein de choses. Oh, c'est quoi? Des colis. Ah ouais. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh. Je sais pas. On va mettre sa décoration. On va la mettre ici. Super joli. On a une bibliothèque normalement dans le coin. Hop. Je crois qu'on... Ok, plan de travail. Ouais. On va les garder pour la prochaine maison. Hop, on va les garder. Ouh. Et qu'est-ce que ça active? Oh, activer l'oreille émotionnelle, ça c'est bien ça. Ça va aller beaucoup plus vite, je pense. Ok, elle a aspiré. Lui, toi tu te sens comment? Toi tu te sens dodo. Toi tu te sens dodo. Allez, va dormir. J'espère
que ça va pas le réveiller. Non, c'est parfait. Oh, mais c'est pas possible, ces Sims. Ah non, je suis désolée, tu me la répares. Je suis désolée, mais tu me la répares. Et je crois que quand Queen... Quand est-ce que Queen a un moment de congé? Oui. Les mardis et mercredis, Queen, qui a quelques points en réparation, va essayer peut-être d'améliorer les objets. Ce serait bien si on pouvait mettre le côté incassable, parce que franchement, c'est vraiment relou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me saoule, mais d'une force, que tout se casse comme ça. Kazé a terminé d'écrire son bouquin. Elle a terminé aussi comme ça, c'est nickel. Voilà, la pauvre, elle va être creux. Oulala, non, 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 attends, 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 attends. On va vite lui faire prendre une douche. Et dodo, parce que là, elle commence en plus à 8h du matin. La pauvre, elle aura pas assez dormi. Elle va être d'une de ses humeurs. Moi, quand j'ai pas assez dormi, les amis, je suis de mauvaise humeur. Quand je suis fatiguée, je suis un peu comme un gros bébé, en fait, qui pleure. Bah, quand je suis pas de bonne humeur, tout le monde... Enfin, quand j'ai pas dormi, tout le monde le sait, je pense. Gabriel qui vient de se lever. Ouvrir. Enlever la nourriture gâtée, ouvrir ensuite. Bon, on va attendre peut-être que ça soit fait. Ouvrir, tu vas manger des pancakes, voilà. Toi, tu bosses quand? À 10h aujourd'hui. Ok, c'est nickel. Bon, ça va. Kazé va faire qu'elle se lève tout bientôt pour aller bosser. Toi. Vous avez un peu discuté tous les deux. Ouais, petits amoureux. Hop. Ils sont mignons. Partage un secret. Montez sa serment. Le coup était... Oh, une facture. Elle est totalement à la bourre. Donc il faut absolument que tu te lèves, ma belle. Pour aller travailler. Bon, elle était aspirée, il me semble. Maintenant elle ne l'est plus. C'est pas grave. On va pas assister peut-être aujourd'hui, si. Travailler dur, si. Ah si, allez. Les deux là qui sont tout partis là, c'est fait. Là. Ah elle est là, mais elle est comme moi là. J'ai la dalle aussi les amis, j'ai la dalle. Toi comment tu te sens? Il sent bien, ça va. Il sent bien. On va juste aller vite faire un pissou. Peut-être de quelle émotion? Tu dois être concentré, il y a peut-être... Arrête de parler avec elle. Va prendre, va faire pipi! Oh ce mec. Voilà. Est-ce que il va s'en sortir? Est-ce qu'il y a moyen qu'il se prenne une petite promotion? Ça serait... On est déjà à 6000 simflous les amis, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça avance, c'est bien. Allez, vas-y, travaille dur. Lui vient de se lever, ok, bien dormi, c'est bon, la forme. Hop, ouvrir. Mange un petit bossu, voilà. Ah tiens, je vois qu'elle a plein de plantes sur elle. Oula, mauvais conseil. Oh non, Kazé vient de recevoir la visite d'un ancien fan. Ce dernier prétend qu'avoir suivi les conseils de Kazé ne l'a pas aidé du tout et maintenant il veut lui faire payer. Kazé veut tenter de le raisonner ou appeler la sécurité pour s'en débarrasser. Le raisonner. Ouh. Ah, super, je vends des trucs, ça c'est bien. Qu'est-ce qui va pas avec lui? Qu'est-ce qu'il a pas? Qu'est-ce qu'il fait berk? Pourquoi? Ok, d'accord. Je sais pas, c'est trop bizarre.
Elle a des points, on va peut-être la faire réparer l'ordi en vitesse. Voilà. Tu vas vite nous regarder un truc. Allez, cuisine. La nuit, c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas toi qui va faire ça, voyons. Oula, j'ai pas vu. J'ai pas vu l'heure qu'il est, les amis. Il est déjà temps qu'on se laisse. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, les amis. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao, ciao. We'll be right back.